Hop, ça, j'en ai pas besoin, mais je le mets dans ma voiture quand même. On sait jamais. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Farming Simulator 2017. Et oui, et je peux vous dire que les choses ont bien changé depuis la dernière fois. Oh que oui, ça a bien changé. Oh, j'ai acheté un petit peu de matos, tranquille. Oh, il fallait au moins ça pour s'occuper de la ferme. Ouais, je sais, j'ai pas lésiné, j'ai dépensé sans compter. Alors aujourd'hui, j'ai une petite livraison qui m'attend au magasin de l'autre côté. Mais avant cela, on va mettre les machines en route. On va démarrer la moissonneuse, ma nouvelle moissonneuse. Et oui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai sorti le volant comme vous pouvez le constater. Et franchement, ça déchire plutôt pas mal. De l'intérieur, c'est fait comment? Ça va, c'est cool. C'est correct. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au champ. Oui, de ce côté là-bas. On va aller tester un petit peu tout ça. Et puis après, on va aller embaucher un ouvrier, bien entendu. Et on va aller chercher la livraison qui nous attend de l'autre côté au magasin. Ah, j'ai pas fini de moissonner ici. Alors attendez, bougez pas. On va faire un petit demi-tour. Voilà, nickel. Normalement, vous devriez voir le volant de ce côté-ci. J'ai mis une petite caméra. Alors attendez, bougez pas. On va se mettre bien. Voilà, nickel. Alors ça faisait un petit moment effectivement que j'étais pas retourné sur Farming. Et là, je me suis dit, on va tester le petit volant. Vous devez d'abord déplier l'équipement. Alors, attends. Plier moissonneuse. Non, c'est pas ça. Voilà. Yes. Nickel. Et on est parti. En tout cas, vraiment, je vous remercie tous pour les retours qu'il y a eu sur... Ça marche pas ? Pour les retours qu'il y a eu sur les vidéos. Comment ça, ça marche pas? Je crois que j'ai pas acheté le bon outil, non? Ah, ok, d'accord. J'ai pas pris la bonne machine. Mince. Alors, attendez, c'est pas grave. On va retourner tranquillement au hangar. Oui, alors, merci vraiment tout le monde pour les retours sur la vidéo. Ça me fait très plaisir. J'ai toujours le droit à beaucoup de conseils de votre part. Donc, vraiment, c'est nickel. Et vous avez vu que je vous ai écouté puisque j'ai sorti le petit volant. On va garer la moissonneuse tranquillement dans le hangar. Alors, bien entendu, toujours, j'ai le droit aux éternels pros agriculteurs qui viennent un petit peu rager sous la vidéo. Mais ça, on n'y peut rien. Il y en aura toujours. Ne soyez pas trop dur avec moi. Je débute. Alors, rassurez-vous, c'est une toute petite minorité. Hein. Je vous parle de ça, c'est 3-4 commentaires, hein, pas plus. Hein. Les autres, vraiment, je vous remercie pour tous les conseils que vous me donnez. Voilà, ça va plutôt être cet outil. Là, mais je comprends pas, pourtant ça a l'air d'être à peu près la même chose. Je comprends pas du tout là. Ok, bon, c'est pas grave. On va prendre cette moissonneuse. L'essentiel, moi je dis, c'est de jouer, c'est de s'amuser, puisque oui, c'est un jeu, certes, qui se rapproche très fortement de la réalité, mais n'oublions pas que c'est un jeu. Donc on est là pour jouer, pour tester, pour découvrir, pour s'amuser. Je veux dire, ça sert à rien de venir faire les pros agriculteurs, venir insulter à tout va parce que dire que je fais pas honneur au métier, que carrément je descends le métier. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Non mais attendez, alors moi je suis pas là pour faire honneur à quoi que ce soit, je suis pas là pour descendre quoi que ce soit, je suis juste là pour tester le jeu et m'amuser. Et qu'on découvre tout ça tous ensemble. Encore une fois, je vous parle bien sûr d'une minorité, donc là-dessus, pas de soucis. Voilà, je pense que là, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire, là? J'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça marche pas? Alors, si ça se trouve, c'est parce que la moissonneuse est quasiment pleine. Je vois en bas à droite. Comme ça se trouve, c'est pas ça du tout. Je sens qu'il y en a encore qui vont s'arracher les cheveux dans les commentaires. Bougez pas, je vais aller chercher le tracteur avec la benne. Parce qu'à mon avis, c'est parce qu'elle est pleine. Mais je pense pas que ce soit ça. J'ai dû zapper quelque chose. Soit c'est parce que c'est pas du blé, je sais pas, c'est peut-être pas le bon champ. Je sais pas du tout. Là vraiment je suis perdu, la dernière fois ça marchait bien. Voilà, on va passer par là. Oh franchement c'est toujours un plaisir de retourner sur ce jeu là. Avec le volant et tout, en plus ça déchire. Oui on va couper, c'est bon, ça passe. Elle est où la moissonneuse? Elle est là-bas. On va aller décharger tout ça, bien tranquillement. Voilà, je pense qu'on va se mettre juste à côté. Comme ça, voilà, stop. C'est impeccable. J'espère que j'ai pris la bonne remorque au moins. Non, à mon avis, c'est pas la bonne remorque. On va acheter celle-là, nickel. On va aller chercher ça tranquillement. On va essayer de pas péter le tracteur sur la route. Oui, c'est bon, ça passe, nickel. Et franchement, je trouve qu'avec le volant, ça se contrôle carrément mieux. C'est les gestes sont beaucoup plus précis, voyez. Je veux dire, par exemple, j'aurais galéré à faire ça à la souris au clavier. Et ben là, c'est nickel. Vous aurez très certainement remarqué qu'on a plus de 8 millions d'euros sur nous. Eh oui, mon vieux. Nous, on est les nouveaux agriculteurs du Qatar. On laboure les champs à Dubaï. On n'a pas le temps. Eh ouais. Et puis en même temps, avec cet argent, ça me permet d'acheter de nouvelles machines et de bien découvrir le jeu tranquillement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par ici. Voilà, on va couper tranquillement. Plus tard, on pourra acheter des nouveaux champs éventuellement. Ça, ça pourrait être cool. Mais faudrait déjà que j'arrive à faire les moissons chez moi. Oh putain, ça passe. Oh, je passe entre les arbres et tout, mon vieux, avec le tracteur. Un truc de fou. Oh là là, comment que ça monte, mon vieux. Laisse tomber.
Il peine pas du tout, quoi. Regardez ça, ce conducteur professionnel, ça passe. Yes. Oula, oula, oula. Alors, où est-ce qu'elle est, la moissonneuse? Je crois qu'elle est là. Yes. On va se mettre juste en dessous de la buse pour qu'elle puisse charger. Ah, bah voilà, c'est parce que j'avais pas la bonne remorque. Yes. Effectivement, je pense qu'elle était pleine, la moissonneuse. Mais à mon avis, c'est pas pour ça que je peux pas moissonner, là. C'est peut-être parce que le blé, il a pas fini de pousser. Attendez, bougez pas, on va accélérer le temps. Voilà. Ça va peut-être bien pousser un peu plus vite comme ça, non? C'est plein? C'est bon? On va décharger au silo. Un de ces quatre, va même falloir que je décharge le silo là, parce que à mon avis il doit être quand même pas mal rempli. Voilà, on va décharger ça juste ici. Oh là là, c'est excellent. Franchement, avec le volant, c'est un kiff, quoi. Voilà, stop, arrête-toi ici. Alors, pour décharger, c'est I. Voilà. Le silo, à mon avis, il doit être pas mal rempli quand même, hein. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser le temps un petit peu passer, histoire de voir si le blé il pousse un peu plus que ça. Et puis en attendant, on va se rendre au magasin et on va aller chercher la livraison spéciale dont je vous parlais tout à l'heure. Eh ouais, livraison spéciale, c'est une petite surprise, je vous en dis pas plus. On va y aller en camion, parce que là je peux vous dire que je vais ramener du lourd. Voilà, en attendant, nous on va se garer juste ici. Voilà, comme ça c'est parfait. C'est nickel. Hop là, plap, 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 plap. Oula. C'était à moi une, mon vieux. On va prendre notre petit camion. Eh ouais, vous avez vu ça? J'ai acheté une sorte de dépanneuse. Franchement, ça déchire. Ça, c'est plus pour emmener, par exemple, les engins forestiers sur le terrain et tout. Je veux dire, tu perds pas de temps, quoi. Parce que la batteuse, mon vieux, elle avance à 15 km/h. Je peux te dire que t'es pas arrivé. Bon, on va se rendre au magasin tranquillement, les gens. Oh, c'est excellent. J'ai l'impression de jouer à Euro Truck, quoi. On va mettre la caméra assez droite, comme ça. Ouh, j'ai l'impression que ça va pleuvoir, non? Oh, oui. Oui, 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 c'est bien nuageux tout ça, c'est couvert. On va s'arrêter tranquille, personne à gauche, c'est bon. À droite, c'est bon, ça passe. Allez, yes, c'est parti. Direction le magasin. Je sais plus si je vous l'avais présenté, mon petit man. Bah si, la dernière fois, on avait fait du bois et tout avec. Par contre, je vous avais pas présenté la nouvelle remorque qui va avec. Ça, c'est tout nouveau. C'est un petit plaisir que je me suis fait comme ça. Elle me faisait de l'œil, cette petite remorque. J'ai dit, allez, vas-y, dans le panier, c'est parti. Voilà, on est arrivé au magasin, on va tourner. Ouais, il va me laisser passer, lui. Tranquille. Et là, vous devriez voir juste en face la livraison spéciale. Et oui, c'est une nouvelle moissonneuse batteuse. Elle déchire. Attendez, bougez pas. Ah ben. Et puis, elle est pas pressée, mon vieux, hein. Tu peux y aller, hein. Bon, on va déplier un petit peu la remorque comme ça. Voilà, c'est parfait. On va rentrer dans la moissonneuse. Ah, je peux vous dire que comme ça, ça va beaucoup plus vite pour ramener les engins à la maison, hein. Parce que la moissonneuse, elle avance pas. Oula! Mazet Ferguson MF Activa 7347. Bah mon vieux, ça doit être une sacrée machine celle-là. Je pense, hein. On va prendre l'outil qui va avec. Voilà, on va s'emparer de l'outil juste comme ça. C'est parfait. Et on va monter ça tranquillement sur le camion. En essayant de monter bien droit. Voilà. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Attendez, on va lever l'outil. Voilà, ça devrait plus aller comme ça. Non, 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 ça va pas. Ah bah attendez, bah quoi que... Ouais, c'est trop chaud, si je la ramène comme ça... Elle tiendra jamais ici. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tomber. On va passer genre à côté d'un poteau comme ça. Voilà, et normalement là, elle devrait tomber. Yes, impeccable. Bon, normalement, à mon avis, une remorque comme ça, c'est pas fait pour monter une moissonneuse dessus, mais... On va se la tenter, hein. J'ai bien réussi à monter la déforesteuse dessus. Voilà, voilà, regardez, 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 regardez. Regardez. Ouais, ça passe. Ça passe. Je pense que ça fera l'affaire. On va refermer derrière. Et oui, regardez, nickel. En espérant que je la perde pas sur la route. Là, ça va être chaud. Là, par contre, on va faire très attention, hein. Voilà, les rétros, on regarde s'il n'y a rien qui accroche. Voilà, c'est bon. On va y aller quand même relativement tranquille. On peut quand même, je pense, appuyer sur le champignon. Hein. À mon avis, elle est calée quand même. Hein. Oui, elle est calée, ça va, tranquille. Ce convoi exceptionnel, mon vieux, je vous jure. Je crois que c'est du jamais vu. Une remorque comme ça qui transporte une moissonneuse. Alors, il y a des convois exceptionnels hein, qui transportent des moissonneuses comme ça, mais je pense pas que c'est sur ce type de remorque. Hein. C'est des remorques un peu plus larges, je pense. Quoique, je sais pas, franchement... Je sais pas trop. Je veux pas trop partir dans des débats que je connais pas.
Si vous vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Mais je sais que j'ai déjà croisé des convois exceptionnels avec de sacrés chargements, quoi. Oh, comment qu'il galère le camion à monter, mon vieux. Bah ouais, tu m'étonnes, il est chargé comme une bourrique, le machin. On va tourner à droite. Alors, est-ce que ça passe si on tourne comme ça? Elle va pas se casser la gueule? Ouais, ça passe. Par contre, le camion, il galère à truc de fou, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. On va commencer à allumer les phares, peut-être. Voilà, comme ça, c'est parfait. C'est nickel. Du coup, on va rentrer la moissonneuse là-bas sur le terrain. On va aller la garer avec les autres. Voilà. Donc là, j'ai accéléré le temps à fond. Histoire de voir si le blé, il pousse ou pas. On va faire un petit demi-tour, tranquillement. Voilà, on va se garer bien comme il faut. Ouais, ça passe. Ouais, je vais même encore avancer un petit peu. Là, stop, c'est bon. On baisse la remorque. Voilà, impeccable. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que je vais réussir à faire une marche arrière avec? Oui. Oui, oui, nickel. Nickel, franchement, impeccable. Est-ce qu'elle va passer ici, la moissonneuse? Notre nouvelle moissonneuse. Oh là là, je la kiffe déjà, mon vieux. Elle est tellement énorme, quoi. Voilà, ça passe. Ouais. Yes, c'est bon, impeccable. Eh, franchement, je suis pas mauvais, hein. Pour garer les engins et tout, je me débrouille assez bien. Je pense qu'on va tenter d'acheter une machine pour faire des ballots de paille. Je crois qu'il nous faut l'endaineuse pour ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte au niveau du blé? Ouais, à mon avis, ça a pas fini de pousser, hein. Je pense. Alors, attendez, ça va être quoi comme machine? Endaineur, ça va être ça, hein. On achète celui-là. On va en acheter deux. On va acheter le moins cher et le plus cher. Comme ça, on sera fixé. On va aller au magasin chercher notre commande. On va prendre le camion. Oula. Oula, 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 oula. Excuse. Excuse, j'ai pas fait exprès, mon vieux. Putain. Ah, aujourd'hui, je vous dis, c'est journée spéciale livraison. On se met bien en place comme il faut, histoire de bien motiver les troupes. On rachète un petit peu de matos. Et après ça, je peux vous dire qu'aucun champ nous résistera. Ça va être un truc de malade. Attends, par contre, je vais replier ça avant de faire une catastrophe. Voilà. Attendez, parce que j'ai ma SMI qui va partir en portefeuille, là. Voilà. C'est bon, ça passe. Allez, direction le magasin. Tiens, petite question comme ça, on sait jamais, va savoir, peut-être dans les commentaires, est-ce qu'il y a des chauffeurs poids lourds qui nous regardent? C'est tout à fait possible, d'ailleurs si vous nous regardez, eh ben dédicace à vous. Et je vais tenter de vous faire honneur là, parce qu'on va prendre un virage mon vieux, mais on va se le prendre bien comme il faut. Attends, oh putain, je suis en train de regarder le clavier et puis, oui, c'est mal barré. Oh merde, il y a du brouillard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des agriculteurs, des chauffeurs poids lourds, tout ce qui touche un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Tout ce qui se rapporte au métier. Voilà. Yes. Ah ouais. Ok, ok, ok. Ah merde. Alors attends, il y a un truc que j'ai pas prévu par contre. Eh, il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est que j'aurais dû ramener le tracteur histoire de les monter. Eh oui. Bon écoutez, c'est pas grave. Je vais chercher le tracteur. Est-ce qu'au moins c'est avec ce tracteur qu'on prend cette machine? Je suis pas sûr. Si, je pense. Hein. Alors attends. Voilà. Yes. On va tenter de la monter sur le camion. Alors attendez, je vais faire ça mieux que ça, hein. On va faire un demi-tour. Voilà, on va tenter de pas accrocher les bagnoles qui sont à côté. On va tenter de la mettre en marche arrière. Ça va être une prouesse technique à réaliser. Ça va être un truc de fou. J'aurais peut-être bien plus gagné mon temps si je les aurais ramenés avec le tracteur une par une. Voilà, on va tenter de faire ça bien droit, comme il faut. Oui, 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 regardez, regardez la précision. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Yes, nickel. Ah bah, par contre, je suis en merde et je peux pas mettre les deux dessus. Bon, c'est pas grave. J'en ramènerai une avec le tracteur et une avec le camion. Est-ce que... Oh, je pense que ça va tenir comme ça. Attends. À mon avis... Oui, 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 ça va tenir. Y a pas de raison. On va allumer les phares et on va tenter de rentrer bien gentiment. Allez, c'est parti. J'espère juste que je vais pas la paumer sur la route. Parce que là, franchement... On est dans la merde. Attention, attention, attention. Convoi exceptionnel. On va doubler, on va doubler. Attends, quoi que. Nous, on va tourner juste ici. On va essayer de pas trop tourner brusquement. Avance, mon vieux, avance. Mon dieu. Voilà, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Est-ce que... Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Nickel. Impeccable. Alors attendez, on va se mettre bien droit par contre, histoire de bien décharger ça comme il faut. Hop hop hop. Nickel, voilà. On abaisse la remorque. Et je peux vous dire qu'on a une exploitation agricole là. Mais on est refait mon vieux, hein. C'est un truc de fou. Je vais prendre... Oh, on va prendre ce tracteur. On va tenter d'y aller avec précision comme tout à l'heure. Voilà. Yes.
Oh, nickel. Alors, comment que ça marche maintenant, cet engin? Je sais que ça, on me l'avait répété dans les commentaires. Pour faire des bottes de foin, il fallait l'endaineuse. L'endaineur, plutôt. V, baisser l'endaineur. Ah ouais, non mais laisse tomber, toi. C'est Transformers, le truc. Oh. What? Putain, mon vieux, c'est si gros que ça? Ah, c'est un truc de malade, quand même. Ah ouais. Ça, à mon avis, c'est censé trier la paille, non? Attends, attendez, on va essayer. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est excellent. En fait, ça te fait une grosse ligne, quoi. D'accord, mais c'est excellent. C'est trop fort. Est-ce que ça marche bien, là? Ouais, yes. Et en fait, je pense qu'à mon avis, tu passes avec une autre machine derrière. Et sûrement avec... Enfin, je sais pas, je saurais pas trop expliquer comment ça s'appelle ou quoi. Mais à mon avis, tu passes avec une autre grosse machine derrière et tu fais justement des bottes de paille. Putain, il faut avoir l'habitude par contre, hein, en vue intérieure et tout. Parce qu'en fait, faut que t'alignes le truc sur trois rangées, quoi. Je veux dire quand même, tu conduis un truc comme ça en vrai, ça doit pas être évident. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et bah écoutez, on va se faire toutes les rangées comme ça. Alors dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà servi de machines comme ça et tout en vrai. Hein. Ou même dans Farming, si vous avez des conseils à me passer, si vous connaissez d'autres machines ou quoi. Moi, je suis preneur de tout conseil. Ah putain, je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi par contre là. Ah, c'est pas évident. Hein. Voilà. Ah, il y a encore... Ah, yes. Ah, il y a encore une petite rangée là-bas, là. J'arrive pas à la choper celle-là. Voilà, yes. C'est bon, j'arrive à la choper un petit peu. Par contre, après, je sais pas quelle machine il faut justement pour faire les bottes de foin. Parce que je pense qu'une fois les rangées terminées, il faut ramasser tout ça. Histoire de les transformer justement. Mais là, par contre, je saurais pas vous dire. Je serais un peu perdu. Bon, je pense que c'est pas mal comme ça. On a fait quand même des belles rangées. Bon, il en reste un petit peu au milieu, vite fait. Alors là, on va replier tout ça comme il faut, voilà. Voilà, regardez, ça se plie dans les rétros et tout là. C'est juste excellent, quoi. C'est trop bien fait. Voilà. Nickel. C'est bon. On va aller ranger la machine. Attendez, putain, je sais même plus où j'habite, moi. Ah si, c'est là-bas, c'est derrière. Voilà, on va passer dans le petit hangar, tiens, justement. À mon avis, ça doit être là que tu décharges les bottes de paille ou quoi. Je pense, hein. Se débarrasser de la paille et du foin. Si vous avez trop de balles de paille ou de foin, vous pouvez les placer ici et recevoir de l'argent en échange. Ah bah ouais. Ouais, mais pour l'instant, justement, j'ai pas de bottes de paille. Alors par contre, ça va être quelle machine pour ramasser la paille, justement, maintenant? Je me demande si ce serait pas un truc comme ça. Attends, non, c'est pas ça. Je pense pas, hein. Bon, écoutez les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo sur Farming Simulator. Parce que là, je suis un peu perdu au niveau de la machine pour faire les bottes de foin. Vraiment, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le nom exact de la machine, si ça se trouve dans le magasin et tout. Parce que là, je suis un petit peu perdu. Voilà, on va se rentrer à la maison bien tranquillement au chaud. Et oui, je vais enlever mes petites chaussures et tout. On va se mettre devant la télé. Et oh là là, regardez ça, franchement. J'ai tellement d'engins maintenant. C'est un truc de fou. Elle est trop énorme, mon exploitation agricole. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bien sûr, n'oubliez pas le petit lien G2A dans la description. En ce moment, il y a des bonnes promotions pour la saison de Noël. Je vous assure que ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour. Vous avez tout ça dans la description. Et puis nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye bye.